Le ballon qui va revenir. Et ils vont faire circuler le ballon, vous le savez les enfants, comment ils jouent. C'est formidable, c'est bon, devant le président de la CAF, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ces enfants sont vraiment formidables, ils ont du talent, ils ne gardent jamais le ballon, il est difficile de le lâcher la tête. Et là, un bon dégagement tunisien. Le ballon qui n'est jamais conservé longtemps. Et là, l'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé. C'est formidable. Mais les passes ne sont pas précises pour l'instant du côté de la SEC. Zezeto, enfin. Il va rentrer dans la surface. Le retrait. Ah, le tir de Junior. Il s'est retourné, ça peut être dangereux. Dans le trou, attention. Et Copa Magistral européen, soit son enquête de club. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Zezeto est à gauche avec le ballon. Il va nous sortir du feu, certainement. Zezeto, à gauche. Il est allé tout seul, Zezeto. Il va partir. Il va tirer, Zezeto. Il va tirer, marquer. Oui, oui, Zezeto. Tunisienne, il fait joujou avec l'équipe tunisienne. Regardez le sang-froid de ce gamin. Il contrôle la balle en défense sans paniquer. Joss, Maestro, attention, Diapi. On dirait communément que c'est le Big In Show. On prive les Tunisiens de ballon, on les fait courir. Et voilà, on a lancé Zezeto. Attention! Et position de hors-jeu. Colossi qui va s'infiltrer. Le centre en retrait et le tir. Bon! Ouais, fantastique! Fantastique! Copa est fantastique! Mesdames et messieurs, j'en perds la voix. Ils se retrouvent les yeux fermés, ces joueurs de la SEC. Zezeto revient au milieu. Attention! Attention, Zezeto! Un crochet! Un claque en jambe! Et belle sortie de ce cri avant le début de cette seconde mi-temps. Je dois d'abord dire que il ne faudrait peut-être pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais disons qu'on constate que ces jeunes-là ont une formation de très haute qualité. Ils ont un toucher de balle extraordinaire et surtout un sang-froid à toute épreuve. On a vu tout à l'heure le gardien de but. Ce qu'il a fait, et le 9, notamment le numéro 9 aussi, sa capacité de débordement est extraordinaire. Donc, nous souhaitons que cela puisse continuer en deuxième mi-temps et que pourquoi pas que la SEC l'emporte. Pour être franc, je n'étais pas convaincu de la prestation de ces enfants. Il est bien vrai que j'ai suivi leur formation depuis bientôt 2 ans. Mais je me suis dit, dans une entreprise comme celle-là, il faut un minimum d'expérience. Donc, j'étais un tout petit peu sceptique, mais à la lumière de ce que j'ai vu, je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris et je me mets toujours au plan continental. Je peux dire que la relève se prépare efficacement au niveau du football africain.
Et donc c'est un président de la CAF heureux qu'on retrouve ce soir. Je suis très très heureux à la lumière de la première mi-temps. Et je pense que ces gosses qui sont encore très frais pourront, parce qu'ils ont été très intelligents, ils ont évité le contact. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas la force physique de leurs adversaires. Ils ont évité le contact en faisant circuler la balle. J'espère qu'ils vont tenir le coup et ils nous offriront le beau football qu'on a vu en première mi-temps. Alors, après cette première mi-temps, qu'est-ce que tu penses de l'équipe ivoirienne, ces enfants, ces gamins de 18-17 ans ? Bah déjà, merci pour votre accueil parce que vous êtes un public que j'aime beaucoup, vous êtes un pays que j'aime énormément. Et puis, ce que je pense de cette équipe, bien, enthousiasme. Je crois qu'ils font plaisir. Font plaisir à voir parce que c'est des jeunes de 18 ans, 19 ans, ça fait plaisir, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie et on a vu une bonne petite équipe. Moi je ne m'attendais pas à les voir à ce rythme, je crois qu'ils font bien, je crois qu'avec ce but ils ont pris confiance et on risque de voir encore une bonne deuxième mi-temps mais ils m'ont fait plaisir. C'est vrai qu'ils font des bons football et je crois qu'ils se connaissent très bien parce que je vois que sur le terrain ils n'ont pas du mal à se trouver. Et je leur souhaite de bonnes continuations et qu'ils continuent comme ça. Je crois que si en deuxième mi-temps on envoie une deuxième mi-temps comme à ce rythme, je pense qu'ils peuvent renverser l'équipe tunisienne. Mais en tout cas, ils m'ont fait plaisir cette première mi-temps. On sait que la relève est maintenant totalement faite et que la SEC va repartir avec ses partenaires pour de nouvelles conquêtes. Je crois que l'issue de ce match aujourd'hui pour nous n'a pas tellement d'importance. Mais ce que nous avons vu sur le terrain, témoigne vraiment, disons, de grandes capacités d'avenir pour la SEC d'Abidjan. Et cela nous réjouit beaucoup et nous refait encore dans nos choix parce que nous savons que nous avons investi au bon endroit. Excellent, excellent. C'est pour ça que nous encourageons la formation dans les clubs. Je crois que c'est la meilleure des formations qui puisse exister et la SEC vient de nous donner un aperçu. Je crois qu'il faut encourager cela, il faut subventionner les clubs qui forment. Au cours de la pause, en tout cas, ils ont tous été émerveillés par cette équipe Mimosa. C'est parti, le coup d'envoi. Et c'est la SEC à nouveau avec son numéro 7 Junior en arrière. Junior, et c'est le ballon qui est perdu par Badjan. Attention, les Tunisiens, ils ont accéléré, mais récupération de Tidiane. Un jeu de côté certainement, voilà qui est fait. Il a trouvé Badjan. Pour Junior, le ballon est lancé pour Zezeto. Personne au centre, il attend, il va aller à l'action individuelle. Zezeto, le tir, oh là, le tir, c'était le temps de Colo. Zezeto, cette fois-ci, il n'y a pas de hors-jeu. Et belle remise immédiate, but peut-être, voilà. Oh, Madinho. Merci de maîtriser le ballon devant ces gamins. Et je pense que les enfants, comme ils jouent, c'est superbement joué. Et l'arbitre a sifflé encore. Vendu à chaque match, à domicile. Et la SEC qui fait continuer sa démonstration. Junior, Haruna. Junior garde la balle. Junior. Et il s'écroule. Coup franc. Et voilà Guiapi. Non, Maestro. Un tir. Il faut revenir en défense maintenant. Faut pas tous monter. Nous jouons la dernière minute. Attention à ce centre. La main et c'est le penalty. Et c'est le penalty. Le temps est suspendu ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Coppa va-t-il arrêter ce ballon? Et c'est l'égalisation. El Waya qui égalise. Ici au stade Félix Houphouët-Boigny. On se retrouve dans quelques secondes. Écoutez le public. Ce petit est un génie à l'état pur. Des gris-gris, il en a plein les poches. Et les Tunisiens ne savent pas comment le prendre. Attention, ce n'est pas fini. Haruna lève la tête, il réussit le dribble. Et but! 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 Extraordinaire! But de Haruna à la 11e minute de prolongation. La SEC prend l'ascendant. 2-1. Extraordinaire! Exploit technique de Haruna et but de la SEC à Mimosa. La SEC à 2, Espérance à 1. 11e minute de la prolongation. Et la Super Coupe qui va rester à Abidjan dans la bonbonnière du stade Félix Houphouët-Boigny. Et carton jaune. Les Tunisiens à nouveau, c'est bien joué. Attention, il faut dégager ce ballon. Sur le côté gauche. Pressing tunisien, le ballon. Et ça, c'est une sortie de Coppa d'une main.
Heureusement que le ballon n'est pas parti, mais attention à la montée. Faut l'attaquer, faut attaquer, voilà. Et doucement revenir. C'est bien fait. Et cette fois-ci, il n'y a pas de hors-jeu pour Zezeto. Zezeto. Le face-à-face de Zezeto, il est passé Zezeto. Zezeto a marqué. Il a marqué. Il a marqué. Le troisième but. Go. Go. Tidiane devant la coupe. Attention, Tidiane est là pour jouer. Haruna va-t-il faire la différence? Appel de Junior pour Zezeto, il n'y a pas hors-jeu. Zezeto face à Rouen. Que va-t-il faire? Il est en retrait. Tidiane. La balle vient mourir. Ah, c'est bien la première fois que toute une génération de monteurs, de joueurs monte pour jouer. Et c'est fini! La SEC a gagné! Les Mimos sont super champions d'Afrique! Olivier, c'est formidable! Vous l'avez dit, c'est formidable! La SEC remporte la Super Coupe d'Afrique en battant ici au stade Oufo-Boigny l'Espérance sportive de Tunisie. 3 buts à 1 à la 38e minute. C'est Zezeto qui inscrit le premier but de la partie. Égalisation plus tard par Choukri Elouaye sur pénalty à la 90e minute. Dans la prolongation, c'est Haruna qui donne l'avantage et Zezeto clôture la marque. La SEC est aux anges. Maître Roger Ognien salue les nombreux actionnaires tout autant que les joueurs qui vont faire le tour d'honneur. Ils sont fantastiques. La légende ASEC est en marche. La SEC est super champion d'Afrique. Oui, c'est extraordinaire ce que nous avons vécu ici cet après-midi. Le match a commencé bien pour les gamins de la SEC Mimosa qui avaient ouvert le score. Maître Roger Ognien. Et voilà la photo de famille. La photo, il a des difficultés à lever la coupe. Voilà Junior, c'est super. Le premier ministre applaudit. Ayatou est joyeux. Diengou Zenou applaudit. Roger Ognien demande aux enfants de retransmettre sur des chaînes étrangères. Ça veut dire qu'on va prendre maintenant très très au sérieux le football ivoirien à